Bonjour mes élèves, comment allez-vous aujourd'hui? Notre leçon, c'est autant deux que deux. Tout de suite, il faut regarder et bien comprendre la vidéo qui explique notre leçon. Alors là, j'ai des assiettes et des pommes. Est-ce que j'ai autant de pommes que des assiettes? Je compte d'abord les assiettes. Un, deux, trois, quatre. Je mets chaque pomme dans une assiette. Alors, est-ce que j'ai autant de pommes que les assiettes? Bien sûr, oui, parce que chaque pomme a pris sa place dans une assiette. Et je n'ai plus de pommes maintenant. Maintenant, je vais vous expliquer encore plus. J'ai des verres et des cuillères. Est-ce que j'ai autant de verres que des cuillères? Eh oui, j'ai autant de verres que des cuillères. Ça veut dire le même nombre des verres et le même nombre des cuillères. On va les compter maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. Et les cuillères? 1, 2, 3, 4, 5. C'est la bonne réponse. Une autre activité encore? J'ai des petits bols et des balles. Je vais voir si j'ai autant de bols que les balles. Je n'ai pas autant de balles que des bols. Il me manque une. J'espère que vous. Maintenant, comptez avec moi combien de tortues. 1, 2, 3, 4 et 5. On a combien de tortues il y a en tout? 5 tortues. Très bien. Et d'autre part, comptez avec moi combien d'escargots. 1, 2, 3, 4 et 5. On a combien d'escargots il y a en tout? 5 escargots. Très bien. Maintenant, que peut-on conclure? On a le même nombre de tortues et d'escargots. 5 tortues et 5 escargots. Que peut-on conclure? Je conclus qu'ils ont égal, très bien. On a 5 tortues et 5 escargots. Alors, ils ont égal. On peut dire, il y a autant de tortues que d'escargots. Il y a autant de tortues que d'escargots. Puisqu'on a le même nombre de tortues et d'escargots, alors je peux dire, il y a autant de tortues que d'escargots, donc autant de que deux, c'est-à-dire égal. Exercice 1. J'observe et je complète. Ici, on a deux bocaux, dont chaque bocal contient des poissons. Allez-y, mes élèves, comptez avec moi combien de poissons y a-t-il dans le premier bocal. 1, 2, 3 et 4. Ici, on a 4 poissons. Et dans le deuxième, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, on a 6 poissons dans le deuxième bocal. La question, y a-t-il autant de poissons dans le premier bocal que dans le deuxième? Oui ou non? Est-ce qu'il y a le même nombre de poissons dans chaque bocal? Oui ou non? Non, très bien. Alors, y a-t-il autant de poissons dans le premier bocal que dans le deuxième? Est-ce qu'il y a le même nombre? Oui ou non?
Non, très bien. Alors, est-ce qu'il y a autant de poissons dans chaque bocal? Non, alors je répondrai par non. Très bien. Exercice 2. J'observe et je complète. Comptez avec moi combien de coques y a-t-il en tout? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a 6 coques. Et d'autre part, comptez avec moi combien de canards? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Encore, on a 6 canards. Que peut-on conclure, mes élèves? On a le même nombre de coques que de canards. 6 coques et 6 canards. Que peut-on conclure? Je conclus qu'ils ont égal. Très bien. Alors la question, y a-t-il autant de coques que de canards? Puisqu'on a le même nombre de coques que de canards, alors je peux dire qu'il y a autant de coques que de canards. Alors la réponse est oui. Bye bye mes élèves, merci pour votre attention.